Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Skyblock. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un petit peu, on va dire, pas particulier, c'est un épisode classique, ordinaire, mais il est plus particulier pour moi que pour vous. Tout simplement par le fait, qu'est-ce que c'est qui est tombé là-haut? Qu'est-ce qui a pu tomber là-haut? Bizarre. Tout simplement par le fait qu'il va se dérouler en plusieurs jours pour moi. Vous allez le voir en un seul épisode. Mais moi, il va se dérouler en plusieurs jours. Je vous explique la situation. On va faire une ferme à mob. Une nouvelle ferme à mob. Une ferme à mob que j'ai designée et qui est une alternative à la X-Mob et à toutes ces fermes-là qui produisent pas mal. Ma ferme, mon but... Je veux une seule chose sur cette ferme-là. Je veux simplement qu'elle produise du mob à mort, on va dire. Mais vraiment à mort. Alors, je l'ai testé, je l'ai déjà designé, je l'ai déjà testé en créa, je l'ai testé sur un monde void, et c'est littéralement infâme ce qu'elle produit. Autant voir peut-être, je sais pas si c'est plus, parce que X-Mob produit déjà masse mob. Elle produit, c'est infâme. Maintenant, on va tester sur cette île, voir ce qu'elle fait, parce que bon, sur pareil, hein, c'est toujours le fait que on est à plusieurs, on a tous une ferme à mob. Donc ça peut jouer, ça va jouer, de toute façon, il va y avoir moins de mobs. Mais mon but étant d'avoir quand même une ferme qui produise au maximum de ses capacités, et la seule solution pour avoir une ferme qui produit le maximum de ses capacités, c'est d'avoir des plateformes de surface de plateforme de spawn la plus élevée possible, avec un système de redstone derrière qui est totalement optimisé. Et c'est l'avantage de cette ferme à mob, c'est que j'ai passé toute une après-midi à designer la redstone, je dis bien la redstone parce que les plateformes je les ai repris d'une ferme existante. J'ai passé une bonne après-midi à designer la redstone pour obtenir une ferme à mob qui fonctionne plutôt bien. Mais le problème de cette ferme à mob, et c'est là qu'on en vient, c'est qu'elle va me coûter très cher en redstone. Alors j'ai fait des calculs, et il me faut à peu près 8 stacks de poudre de redstone. Vous allez me dire, 8 stacks de redstone, c'est rien. Sauf que là, on est sur un skyblock. Et pour tous ceux qui jouent sur des skyblocks, ceux qui jouent sur skykit, vous le savez, la redstone, c'est précieux sur le skyblock. Parce que ça coûte très cher. Le bloc de minerai coûte 300 coins. Sachant que le bloc de minerai donne en moyenne, avec une fortune, à peu près 6 poudres de redstone en moyenne. C'est une moyenne. Donc il me faudrait à peu près 86 blocs de minerai de redstone, ce qui correspond à 25 800 coins. C'est pour ça que ça va faire déjà 2 jours que je farme du bois. Je n'arrête pas de farmer, de couper du bois. Je passe mon temps à couper du bois. J'ai mon deuxième compte qui est connecté, qui lui par contre il est en dessous, il est pas loin, il est juste là. Lui il est là pour faut faire tourner l'usine à slime, parce qu'on va essayer aussi de gagner un peu d'argent avec les slimes, parce que j'ai besoin de 25 800 coins pour pouvoir faire cette ferme, ce qui représente, on va dire, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup quand on démarre sur le skybox, c'est beaucoup. Donc c'est du farm, et c'est ce que je fais. Et j'ai déjà rempli, on va dire, 4 doubles coffres de bois, hein, là c'est pas plein, et là c'est quasiment plein, donc en fait, je farme tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça va se dérouler en plusieurs étapes, hein, forcément, cette vidéo va se dérouler en plusieurs étapes, en beaucoup d'étapes d'ailleurs. Donc, la première étape, ça va être de farmer tout le matériel dont je vais avoir besoin. Parce que c'est pas qu'il n'y a pas que ça. Ça, c'est juste pour la redstone. Il faut après que je farme de la stone pour avoir mes plateformes. Je vais farmer de la neige parce que les plateformes en elles-mêmes vont être en neige. Ça va être le tour de l'usine va être en stone. Il va me falloir des dalles, il va me falloir faire tout ça. Il va falloir que je farme tout ça. Mais le plus long reste quand même à farmer les coins pour obtenir ma redstone. Enfin bref, ce que je vais faire, c'est que je continue de farmer, je vais continuer de farmer, de farmer, de farmer, et une fois que j'ai fini mes 8 stacks de redstone, un peu plus de 8 stacks il me faut je crois, il me faut 516 poudres de redstone, une fois que j'ai tout ça, que j'ai tout le matériel, on se retrouve pour la construction. Allez, à tout de suite, et pour moi ce sera dans plusieurs jours. Petit retour
tour pour faire un point sur l'avancement du farm hein, pour la préparation de la fameuse usine à mob. Alors, j'ai fait un calcul et en gros, il me faut un double coffre d'émeraude. Et aujourd'hui, on se retrouve en compagnie spéciale de Cédric qui a décidé de m'accompagner, enfin, du moins de venir, mais donner un coup de main à farmer. Là, il nous entend pas. D'ailleurs, je l'entends même pas. Il est mute. Et on va aller le rejoindre après, une fois qu'il sera revenu. Là, il est parti vendre deux, trois choses parce qu'il a deux, trois challenges à faire, tout ça. Enfin, bref. Voilà, ça peut être intéressant. Ça peut permettre de faire un peu d'émeraude hein, parce que c'est le but, hein, comme j'ai dit. Tant que j'ai pas ce double coffre d'émeraude de plein, j'ai farmé du bois à ne plus qu'à savoir qu'en faire. Si je vais dans les statistiques bloc bois, j'en suis à 40 000 bois coupés. Enfin bref, on va aller dire bonjour à Cédric. Bonjour! Ah, salut Jeff! Comment tu vas? Ça va, ça va? Et dis-moi, saurais-tu par hasard où on vend les blocs de slime? Là, ouais, oui, t'y es. Ils rachètent les blocs de slime. Ah non, c'est la redstone. Je confonds. C'est la redstone. C'est le rouge. C'est le rouge. Ah, t'es là-bas, je te vois. Alors, on peut voir bien sûr que Jeff a bien farmé, bien, parce qu'il a tout un stuff tout brillant, tout joli, en diamant, Dis, c'est et que moi surtout je parce suis que. toujours no stuff, hein, il me semble. Ah non, C'est. j'ai un truc sur moi quand même. Oui, t'as un pantalon en or et t'as une armure en chainmail. En maille. En maille, ouais. Non, Ah c'est bah c'est donc 7 là. blocs par 7 blocs. C'est ça qui est cool. Ah, du coup je me retrouve avec un stack et 6 émeraudes que je vais pouvoir mettre dans le coffre en commun. Ah, c'est cool, c'est cool. Hop là, et je spawn sur un carré de fleurs. T'as vu un peu, c'est les fleurs que j'ai gagnées. T'as J'ai sûr que fait, c'est gagné? non, j'ai fait une, j'ai claimé une reward, ça m'a donné des doubles fleurs comme ça. C'est cool, on peut faire des colorants là, bon, à l'infini, non, mais avec la bonne mille. Et Oui, oui, c'est oui. intéressant. C'est intéressant parce que l'usine à fer, elle produit aussi des fleurs rouges, là, les, je sais plus comment ça s'appelle, les coquelicots. Allez, Et si tu picot fais là. du colorant orange, c'est-à-dire une fleur rouge et une fleur jaune, tournesol que tu peux faire avec de la bonne mille, bah ça te fait du colorant orange, et le colorant orange tu peux le revendre, donc ça fait aussi, j'ai farmé aussi un peu de colorant, j'ai farmé tout ce qui était farmable, tout ce qui était possible à faire, c'est incroyable, j'ai tout vendu, tout, j'ai les poches vides, tout est en émeraude, enfin bref, Attends, je regardais voilà. la monnaie que j'ai. Moi, je vais pas rester Aïe. longtemps en record tout de suite, hein. C'était juste pour vous montrer que Cédric était venu m'aider. Hein. Et moi, ce que je vais faire, enfin, du moins, ce que je pense que je vais faire, c'est je vais voir ça avec Cédric, s'il est d'accord. Bon, il sera peut-être pas d'accord, hein, parce qu'il est des fois violent avec moi et tout, machin, il veut pas et tout. Enfin, voilà. Comment ça, je suis violent? Comment ça, je suis violent? Moi, je vais te pondre ton armure, moi, tu vas voir. Ah, non, ce que je vais t'as faire, parce respawn que. devant moi. Bah c'est normal, je suis parti au hub, je suis parti chercher du diamant. Et ce que je vais faire, c'est. Est-ce que j'ai assez pour acheter? J'ai plus assez de monnaie, il faut que je fasse, que je reprenne un petit peu de monnaie. Ce que je vais faire. On va y arriver. On va y arriver. Ce que je vais faire, c'est que si tu veux, tu vas aller farmer un peu de bois. Et moi, comme j'ai accès au Nether, moi, je vais aller dans le Nether. Enfin, au Nether plutôt. Et je vais aller voir si je trouve du gravier. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, ouais, je Comme vais me faire ça, quelques outils en ferraille, hein. tu pourras faire tes. Je vais te passer une hache pour couper le bois. Tu pourras faire tes plantations après, pour justement, si t'as de la dirt et tout ça, bah tu pourras faire tes plantations. Enfin bref, tout optimiser comme il faut, petits oignons. Enfin bref, faire tout ça. Par contre, t'as combien Ouais, de ouais, level? ouais. T'as combien de level sur toi? Dix-neuf. Ah bah c'est bon, tu devrais pouvoir fusionner ces deux haches là. Regarde voir si tu peux fusionner ces deux haches là. Il y a une enclume là-haut. Là, Là-haut. à côté de la table enchante. On se retrouve pour le troisième point de cette petite vidéo de construction de l'usine à mob. Alors, ça fait 3 jours, enfin, tu vois, cette troisième partie se déroule le troisième jour. Ça fait plus longtemps que je farme, mais ça se déroule le troisième jour. Cédric est venu m'aider à farmer un peu, hein. Il est là, il est en train de terminer de deux, trois, de vendre deux, trois petites choses et tout ça. J'ai préparé tout le matériel nécessaire dans ces coffres-là. Ici, on a de la pierre taillée, là, on a de la cobble, des dalles et tout ça. Ici, on a de l'eau, ici, encore un peu d'eau. Là, c'est pour y mettre un peu ce qu'il y a en trop. Et ici, j'ai préparé tout ce que je vais avoir besoin pour la redstone, c'est-à-dire là, ça va être les pistons, pistons. Ici, ça va être les comparateurs.
acteurs. Ah, je sais parce que j'ai mis. Ah oui, c'est parce que j'ai mis trop de. Il me faut que deux comparateurs. Hein. J'ai mis trop de sticks, ça sert à rien. D'ailleurs, je vais les virer. Ça va m'induire en erreur au niveau redstone et ça va me poser problème. Donc, vaut mieux les virer tout de suite. Là, ce sera les répéteurs. Ici, il est vide et ici, c'est la neige. Quelques torches, le temps de construire. Et surtout, le plus beau, le plus long, ce qui a été le plus long à farmer. Tiens, Cédric a claim une reward. C'est là-haut. Mon coffre d'émeraude, il est plein, il est entièrement plein. Ça fait 34 560 coins à aller mettre à la banque. C'est ce qu'il va me falloir pour pouvoir acheter toute la redstone dont je vais avoir besoin pour cette usine. J'espère juste qu'elle va être aussi productive que pendant mes tests. Enfin bref, sur ce que je vais faire, c'est que je vais préparer tout ça. C'est-à-dire, je vais aller chercher ma redstone, tout ça. Je vais pas casser la redstone en vidéo, ça sert à rien. Enfin, je vais pas casser le minerai de redstone en vidéo, ça sert à rien. Je prépare les minerais, je prépare tout ça. Et je passe direct à la construction de l'usine, tout ça en timelapse. Allez, sur ce, à tout de suite.
Et on se retrouve pour la troisième ou quatrième partie de cette vidéo. Je sais même plus, hein, parce que ça fait plusieurs jours que je la tourne. Je sais plus si c'est la troisième ou la quatrième partie. L'usine à mob est terminée, comme vous l'avez sûrement vu dans le timelapse. Elle n'est pas fonctionnelle encore. Et je vous présente la Z-Mob. Pourquoi la Z-Mob? Je vais vous expliquer son fonctionnement. Alors, tout d'abord, on va rentrer à l'intérieur de cette usine à mob. Alors tous les circuits d'eau ne sont pas posés encore, hein, c'est tout simplement pour pouvoir rentrer à l'intérieur, puisqu'une fois qu'ils seront posés, ça va être un peu plus compliqué. J'ai beaucoup d'eau à mettre, énormément à mettre, j'ai tout ça à mettre. Alors, d'abord son design. Le design des plateformes, il n'est pas de moi. C'est un design qu'on retrouve régulièrement sur Internet. Je l'ai juste compacté au maximum. Tout d'abord, on va déjà partir dès le départ. Pourquoi j'ai fait cette usine? Alors, cette usine, il faut savoir que l'usine, je l'ai designée, c'est moi qui l'ai designée. Je suis parti des idées qui étaient déjà existantes, hein, bien sûr, parce que maintenant il y en a tellement des usines à mob que forcément on n'invente plus rien. D'ailleurs, ça spawn déjà, il y a de l'éclairage, mais il y a déjà un creeper là-haut. Ok, pourquoi pas. Et moi, ce que je voulais, c'est le problème. Le problème de la X-Mob, c'est l'une des usines les plus performantes et les moins chères actuelles. Son défaut, c'est l'endroit où les mobs tombent. L'endroit où les mobs tombent forme un X. C'est pour ça qu'on l'appelle la X-Mob, parce que déjà elle ressemble à un X à l'intérieur, et que à l'endroit où c'est qui tombe, ça forme une sorte de X. Ça utilise. Bon, après ça dépend du pattern, il y a moyen de rassembler, enfin bref. Mais c'est très compliqué de vouloir recentrer. Moi, ce que je voulais, c'était compacter au maximum la zone de sortie, la zone de chute des mobs. Et là, on a une zone de 6 par 3, ce qui me convient très bien. Parce que pourquoi? Bah tout simplement parce que cette usine, je voudrais qu'elle ait deux fonctions. Une usine à mob classique pour récupérer les loots et pouvoir la transformer en usine à XP en attendant d'avoir quelque chose de mieux, d'avoir aussi bien un spawner à zombies ou même l'accès au biome Nether, enfin bref, n'importe quoi. Mais pour le moment, il faut que je puisse la transformer cette usine par la suite en usine à XP ou en usine à loot classique. C'est pour ça qu'il me fallait une sortie de mob de cette surface-là, enfin la plus compacte possible. Il y a des usines, vous allez me dire, oui, c'est vrai, il y a des usines qui sont compactes, qui ont des sorties comme ça relativement compactes, mais c'est pas les plus efficaces, loin de là. Et moi, j'ai voulu créer une nouvelle usine, j'ai voulu créer une usine qui soit en même temps efficace, qui soit pas trop lourde en redstone, qui soit pas lourde en lag surtout, parce que c'est vrai que après vu le nombre de plateformes, ça pourrait être lourd en lag, mais non, justement, c'est la particularité de cette usine, et qui soit qui ait un taux de spawn efficace, enfin bref, voilà. La meilleure solution que j'ai trouvée, c'est celle-là. Il y avait deux solutions. Soit je faisais des plateformes droites, mais il aurait fallu que je mette de l'eau sur toute la longueur, et qui veut dire eau sur toute la longueur veut dire slime block ou piston, enfin bref, une grosse quantité de blocs à bouger. Et une grosse quantité de blocs à bouger régulièrement, c'est une quantité de lag supplémentaire. Donc, j'ai pas voulu prendre cette idée-là. J'ai pris cette idée-là, qui est de, en fin de compte, d'espacer de 4 blocs les sources d'eau. Le fait d'espacer de 4 blocs, ça donne en fait cet effet-là. Si je prends une source d'eau que je l'écoule ici, elle va venir s'écouler, elle va prendre cette forme-là. Et en mettant une source d'eau dans chaque sortie, ça va prendre exactement cette forme-là. Ce qui fait que quand l'eau va être lâchée, elle va pousser les mobs sur cette plateforme, et cette plateforme-là va être inondée en permanence, c'est-à-dire il va y avoir deux colonnes, enfin, deux cascades d'eau qui vont être inondées en permanence, hein, il y a 8 blocs de long de chaque côté, et ce qui fait que les mobs vont tomber directement, j'espère que l'autre il va pas me tomber sur la gueule, non, vont tomber directement sur cette plateforme qui est une plateforme de hopper, on ira voir en dessous, enfin c'est juste des hoppers avec un coffre, pour le moment il n'y a pas de stockage, il n'y a pas de trieur, il n'y a rien du tout, mais ils tomberont là et forcément vont mourir. Il y a une distance de 30 blocs, si je me trompe pas, entre les hoppers et, du moins entre les, oui c'est entre les hoppers et le sol. Le système qui va pousser les mobs, c'est de l'eau, forcément. Voilà, on a de l'eau à cet endroit-là, on a chacun des trappes. Ce qui fait toute la différence, on va dire, avec la plupart des usines à mobs qu'on voit aujourd'hui, c'est que au lieu d'utiliser
dispensaires, parce qu'on utilise beaucoup les dispensaires. Moi, j'ai préféré utiliser les pistons, parce que les dispensaires, comme vous le savez sûrement, les dispensaires ont la fâcheuse habitude, si jamais un des chunks se décharge et se recharge, mais pas les autres, de s'inverser, ce qui fait qu'on a une plateforme qui ne fonctionne plus correctement ou qui ne fonctionne pas du tout. Donc j'ai préféré utiliser des pistons, ce qui fait que ça la rend totalement incassable. Elle ne peut pas casser puisque en repos, c'est-à-dire à l'état repos, tous les pistons sont ouverts et quand on l'active, les pistons vont venir se fermer et se réouvrir l'un derrière l'autre. D'où l'appellation de Z-Mob. Pourquoi je l'ai appelé Z-Mob? Tout simplement parce que la redstone est calculée de telle sorte que chaque plateforme est évacuée l'une derrière l'autre. Contrairement à la plupart des usines où c'est que toutes les plateformes sont évacuées en même temps, si on prend la X-Mob, il y a toutes les plateformes, l'eau s'écoule sur toutes les plateformes à chaque fois. Donc vous avez pour une X-Mob à 4 étages, vous avez 4, 8, 12, 16, vous avez 16 droppers qui lâchent l'eau d'un seul coup. Ça fait une énorme quantité d'eau qui est lâchée, ça fait une énorme quantité d'eau à mettre à jour, et ça fait une énorme quantité, on va dire, de lag, enfin bref, de tout ça. Et plus vous aurez de plateformes, et plus vous aurez forcément des lags puisque vous augmentez la quantité d'eau qui est lâchée. Ça, c'est efficace pour la plupart des usines, pas toutes. Il y en a certaines qui utilisent un procédé comme par exemple, si on prend l'usine de Patlou. L'usine de Patlou lui utilise un procédé qui est différent, qui est de lâcher un seau d'eau tout en haut et après avec la répartition de l'eau, parce que l'eau, il faut savoir si on calcule bien et tout ça, vous pouvez la séparer, vous pouvez l'emmener sur plusieurs plateformes en même temps. Ce qui fait que lui, son usine, elle revient à peu près au même principe que la mienne. C'est-à-dire que les plateformes vont être lavées au fur et à mesure que l'eau va descendre. J'aurais pu partir sur un principe comme ça, mais l'inconvénient de ce type d'usine, c'est tout simplement que ça a une efficacité réduite comparée à d'autres types d'usines, comparées à la X-Mob. La X-Mob, ça reste quand même l'une des usines qui est l'une des plus performantes à l'heure d'aujourd'hui, pour son rapport qualité-prix, on va dire. Elle a un rapport coût redstone qui est assez léger comparé à d'autres usines, comparé à celle-là. De toute façon, celle-là, vous l'avez vu au début de l'épisode, elle m'a coûté extrêmement cher en redstone. Enfin, du moins, tout est relatif. Elle coûte pas cher en survie classique. Elle m'a coûté 500 ou 600, enfin, 8 stacks de redstone. 8 stacks de redstone en survie, c'est rien. Sur un skyblock, ça coûte très cher. Et comme je disais, toutes les plateformes sont lavées l'une derrière l'autre et elles ne sont pas déclenchées toutes en même temps, ce qui permet d'avoir que 5 pistons. On va la mettre en route, comme ça vous allez comprendre. Là, je la mets en route, hop, tac, 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 ainsi de suite. Il me semble que c'est toutes les 10 secondes, je refais le calcul, je sais que j'ai 20 items. Alors, l'avantage, comme je le disais, c'est que les plateformes vont se faire laver l'une derrière l'autre. Celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Et le fait d'avoir autant de plateformes, le gros avantage, c'est quand celle-là, admettons, vous voyez, là, celle-là, elle se fait laver actuellement, admettons. S'il y aurait de l'eau, elle se ferait laver. Et là, elle est refermée. Donc l'eau s'en va, le temps que l'eau s'en aille et que les autres plateformes se font laver, les mobs ont le temps de spawner sur les plateformes qui sont plus bas, et ça permet d'avoir une usine avec un flux continu de spawn. Contrairement à la X-Mob, je vais aller l'arrêter parce qu'elle fait un peu de bruit, contrairement à la X-Mob qui a elle un flux qui n'est pas continu, hein, la X-Mob ou beaucoup d'autres usines à mobs, elles n'ont pas un flux continu, puisqu'elles sont, elles dispensent l'eau en même temps. Donc tant que l'eau elle est sur les plateformes, les mobs ne peuvent pas spawner, et aussitôt que l'eau elle est retirée, les mobs peuvent spawner. Alors malgré les réglages les plus peaufinés qu'il peut exister, à partir du moment où c'est que vous avez de l'eau sur la plateforme, ça peut pas spawner. Donc la X-Mob par exemple, elle a le problème d'avoir un taux de spawn qui est légèrement réduit par rapport à ce qu'elle pourrait avoir à cause de ce souci-là. J'ai voulu pallier à ce problème-là en ajoutant justement d'autres plateformes. J'ai 16 plateformes de spawn, ce qui est énorme, hein, ce qui est énorme, il faut dire ce qui est. Et normalement, elle devrait produire masse mob. Bon, là, il y a comme il y a moins de monde. Elle devrait produire masse mob quand elle fonctionne.
Après, ça va dépendre de d'autres usines à mobs, tout ça, puisque les mobs sont répartis sur l'ensemble du serveur, ce qui est tout à fait normal, mais elle devrait produire une grosse quantité de mobs. Alors, ce qu'on va faire, enfin tout le monde, ce qu'on va faire, ce que je vais le faire hors caméra parce que ça va prendre un peu de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplir toutes les zones qui doivent avoir de l'eau. Et une fois que j'ai rempli toutes les zones où c'est qu'il va y avoir de l'eau, eh ben on va pouvoir la mettre en route cette usine et voir si elle est réellement fonctionnelle ou pas. Parce que c'est le but de savoir si elle est fonctionnelle. Parce que franchement, si elle spawn pas comme elle devrait spawner, je serais un peu déçu quand même parce qu'elle m'a pris beaucoup de temps à faire. Elle m'a pris surtout beaucoup de temps à préparer et elle m'a coûté très cher en redstone. Donc j'espère au minimum qu'elle me rendra le prix de la redstone qu'elle m'a coûté. Donc ce que je fais, c'est que je fais ça et je vous retrouve juste après. Toute l'usine est noyée entièrement, toutes les plateformes sont recouvertes d'eau, on peut le voir, il n'y a plus aucun éclairage, il reste plus que l'éclairage en bas là, mais c'est pas gênant. Je vais fermer l'accès ici directement, il n'y a pas besoin d'y accéder. Je vais laisser l'accès à l'interrupteur ici pour le moment, parce que parfois il faudra que je la désactive, enfin parfois je l'activerai que quand j'en ai besoin, hein, tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'écarter. Et on va admirer, voir si ça fonctionne. Normalement, si je me mets au niveau de la hauteur de la plateforme de spawn, elle fonctionne. Elle fonctionne normalement. Bah, elle devrait fonctionner. Elle devrait fonctionner. Puisque pendant mes tests, ça fonctionne. Oh, par contre, oui, c'est Mobland là. Alors, je me suis placé à cet endroit parce que je me suis aperçu que quand je me mets en bas, elle fonctionne moins bien. Et je sais pourquoi. C'est tout simplement parce que quand je suis en bas, près de la plateforme, j'ai l'usine à slime qui tourne en même temps. Là, vous pouvez voir que je me suis écarté de l'usine à slime. Normalement, l'usine à slime à cette hauteur-là ne fonctionne pas, ou juste une plateforme qui fonctionne, faut que je fasse les calculs. J'ai étudié pour de telle sorte qu'on puisse faire fonctionner soit une usine, soit l'autre, soit les deux. Si je me mets sur la plateforme d'AFK de l'usine à slime, l'usine A ne fonctionnerait plus parce que je suis à plus de 65 blocs, donc forcément, ça ne peut pas spawner. Oh, les deux jolies sorcières. J'espère qu'elles m'ont donné de la redstone. Sinon, là, vous pouvez voir que je me suis écarté de 24 blocs, je suis à peu près à 25 blocs exactement, et l'usine fonctionne plutôt bien, j'ai envie de dire. J'ai vraiment envie de dire qu'elle fonctionne même très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une petite plateforme AFK à cet endroit, peut-être même une plateforme AFK un peu plus haut, parce que là je suis quand même assez loin, donc je vais voir me la faire un peu plus haut par là-haut, elle est plutôt bien là-haut, et comme ça bah, j'aurais plus qu'à rester AFK près de cette usine pour qu'elle tourne, et puis... Un squelette sur une araignée, c'est plutôt rare ça. Et puis je suis content de mon usine. Enfin bref, voilà. On verra dans un prochain épisode pour faire le système de tri et tout ça. Et puis la décoration, l'habillage, hein, parce que je vais l'habiller cette usine. Elle va être plus jolie. Là pour le moment on est sur du basique, on est vraiment sur la partie technique. Plus tard je ferai une belle déco tout autour. Enfin bref, quelque chose de bien. Ce que je veux, c'est qu'elle soit rentable et qu'elle me rende, on va dire, au moins la redstone qu'elle m'a consommée. Ce serait bien. Franchement, ce serait plutôt bien. Enfin bref, sur ce, on va se quitter là et on se dit rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!